Toiture, vitres cassées, tags, il y a un mois, cette ancienne piscine réaménagée en aire de jeu a été vandalisée par des jeunes mineurs de la commune de Caudry. Ils cassent les grilles, ils passent par le toit, ils montent sur les toits, puis ils cassent tout, ils retirent les portes, ils font de la luge dans l'escalier avec les portes, voilà. Les adolescents sont connus des services de police et leurs actes se multiplient dans la ville. Excédé, le maire a pris une décision. J'ai décidé donc de supprimer pour les familles de ces gamins qui font du trouble à la vie publique, j'ai décidé de suspendre les aides facultatives municipales. Pour ces familles, plus d'aide pour financer le restaurant scolaire finit aussi l'accès à l'épicerie solidaire. L'opposition se dit choquée par cette mesure. Le souci, c'est qu'en réalité, ce n'est pas à lui de se placer en tant que juge. Une personne en difficulté, il faut l'aider plus que l'enfoncer. Et pour les habitants, là aussi, les avis sont partagés. Éventuellement enlever des droits, éventuellement enlever tout ce qu'on leur donne comme aide pour dire que les parents réagissent un petit peu, quoi. Non, ils devraient justement leur donner une aide pour qu'ils s'en sortent dans leur vie, ces jeunes-là, parce qu'ils souffrent aussi. Une suppression des aides qui devrait concerner 15 des 350 familles qui touchent les aides de la ville.